Content, Brendan, de travailler ensemble. Est-ce que tu peux, bah, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, rapidement te présenter? Oui, du coup, je m'appelle Brendan, je suis français d'origine estonienne, ce qui justifie pourquoi est-ce que je suis venu étudier ici. Donc, j'ai passé 6 mois à Tallinn dans le cadre de mes études. Donc, j'ai fini mon école d'ingénieur sur Paris et j'ai fini par un semestre Erasmus à Tallinn, à l'Université technologique de Tallinn. Super. Et pourquoi tu as décidé de louer une de nos propriétés? En fait, c'était le prix attractif, surtout, et la proximité avec l'école. Un arrêt de bus qui était juste à côté du logement et qui me permettait d'aller en 10-15 minutes à l'université, donc c'était nickel pour moi. Super. Et quel était ton problème principal quand tu étais en recherche d'appartement à louer? Bah déjà, je travaillais en même temps que je devais trouver un logement, donc j'avais pas forcément beaucoup de temps, donc j'avais pas de temps pour regarder énormément d'annonces sur Internet, donc j'ai pris un peu ce qui me semblait le plus intéressant au premier regard, et puis j'ai pas cherché très très longtemps avant de trouver l'acquis. Super. Donc ça fait plus de 6 mois que tu as logé dans l'appartement Lucky 24. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ton expérience? Quelles sont les choses que tu as préférées là-bas? Bah déjà, c'était tout neuf, donc il n'y a rien de plus agréable que d'arriver dans un logement tout propre, tout neuf. La laverie mise à disposition au deuxième étage, ça c'était cool aussi. Et puis après, non, franchement, la résidence était propre, donc pas de problème. Excellent. Petite question un peu plus personnelle cette fois. Qu'est-ce qui te rend fier d'être estonien, d'origine estonienne? L'histoire du pays. C'est un pays qui a une très très forte histoire depuis l'indépendance avec l'URSS. C'est un peuple qui s'est toujours battu pour ses droits, pour sa liberté. Ma mère s'est battue aussi pour justement ses droits. Et c'est quelque chose qui me rend très fier d'appartenir à cette communauté aussi. Joli, joli. Au niveau de l'expérience que tu as eue par rapport à Life Invest, on va dire, qu'est-ce qui en ressort en travaillant avec Pride, par exemple J'ai eu aucun problème, en tout cas la communication était très facile. Donc c'est déjà le premier point important pour moi, c'était si j'envoyais un mail, j'avais une réponse dans la journée. Et si j'appelais, que ce soit en estonien ou en anglais, c'était rapide pour régler tous les problèmes. Donc c'est le point qui ressort en premier. Et si quelqu'un, avant-dernière question, te disait, t'appelait et te demandait, est-ce que je devrais louer un de leurs appartements, qu'est-ce que tu Bah direct, dirais? direct oui. Super. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose à propos de l'Estonie pour ceux qui regardent de la France ou d'ailleurs? Venez, venez vivre en Estonie, venez étudier, je sais pas, il y a beaucoup d'opportunités, surtout dans le domaine de l'informatique. Et c'est vrai que c'est un pays magnifique, donc n'hésitez pas. Super. Eh ben, merci beaucoup pour ta confiance. Merci.